Pas trop loin. Avec toi, je sais jamais si c'est 1 kilomètre ou 20. Comme quand tu nous avais paumé au Pérou. Oh, tu veux vraiment qu'on parle du Pérou? Me dis pas que tu m'en veux pour ça. Mais j'avais 15 ans, Sully. J'aurais dû savoir dès le début que je finirais en prison. Je te rappelle que t'avais pas besoin de moi pour ça. Et puis, je t'ai fait sortir, non? Je t'en sors toujours. Par ici. Ça y est, comme sur les notes de Laurence. Fais-moi un peu confiance, Sully. Je me souviens pas avoir vu ce ravin sur la carte. Ils viennent sûrement de le creuser. Bon, on va trouver un autre chemin. Hé, hey, c'est une flûte de Pan? Par là. Ouvre l'œil. Oh, je sais pas, petit. T'es sûr que c'est par ici? C'est pas assez vieux pour être un fort des croisades. Je trouve que ça fait plus Renaissance. Me dis pas que t'as encore lu mes livres, hein, Sully. Oh, ah, ça a l'air instable. Oh! Allez, qu'est-ce que t'attends? Je t'ai mâché le travail. Ouais, c'est le problème. Sully, c'est ta voiture. Oh, bon sang. C'est une Auburn de 1927. Ouais, c'est quoi, monsieur le savant? Un ornement. Tape à l'œil. Seigneur Godefroy, le propriétaire du château, est rentré des croisades au XIIe siècle. Selon Laurence, il ne reste plus du château original que le donjon carré et les jardins. Si Godefroy a ramené des secrets d'Arabie, c'est là qu'on les trouvera. Essayons cette porte. Ça bouge pas? On peut pas entrer par là. Et cette fenêtre au-dessus de toi? Je veux pas me couper. Super, bien joué, gamin. Je reviens vite. T'attends là. Petit, là-haut, il y a des chaînes. Ok, recule. Je vais faire sauter le verrou. Fais en sorte de tirer que là-dessus. J'ai dit le verrou. Ça va? Bon, on doit traverser le château pour atteindre les jardins. C'est là qu'est le vieux donjon. Bon sang, regardez ça. Non, je peux pas l'ouvrir, cette foutue poutre m'en empêche. Ouais, on doit faire levier. Tu peux le grimper là-haut? Je veux bien. Attends, ça va le faire. Le tour est joué. Ça devrait aller. Sois prudent là-haut. Tout est complètement pourri. On dirait que ces chandeliers servent de poulies. Ouais, c'est sûrement comme ça qu'ils les nettoient. J'ai une idée. Ah, ah, super! Ouais. Oh, t'es taré! Fais gaffe, ce truc se décroche du plafond!
Allez, c'est parti! Ah, ouais, c'est bon! Voilà, j'y suis. Je me demande où on est. C'est une machine à pop-corn? Bon, trouvons un moyen d'accéder à cette tour. Hey, Nate! Une tour carrée. Plutôt jeune. Ouais. Elle correspond au carnet de Laurence. C'est ça! Cool. Merci. Je crois qu'on peut traverser. Ouais. Ouais. Allez. C'est bon. Oh, attention! Merci. Hey, Nate. C'est pas le même symbole que celui de la tour? Ouais. Il doit y avoir une raison, hein? Peut-être un passage secret? Dans une cheminée? Ce serait un coup de chance, pas vrai? Ouais, trop simple. Regarde ces armures. Attends, Laurence a noté quelque chose là-dessus. Ouais, tu vois? Quatre chevaliers, avec hache, bouclier, épée et étoile du matin. C'est comme ceux de cette pièce. Il faut peut-être tourner chaque chevalier dans la bonne direction. Oui, mais c'est quoi la bonne position? Passage secret. Bon, je reconnais que t'avais raison. Ok. Je pousse, tu tires. Est-ce que t'es prêt? Attends, 1-2, tirer ou 1-2-3, tirer? Contente-toi de tirer. Oui. Nate? Hey, ça va? Ouais. Ouais, ça va. Hors de question que je retourne là-haut. Je passe par là. Retrouve-moi de l'autre côté. Essaie d'être prudent là-bas. Bon. S'il y a un autre côté. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je dois pouvoir passer. Thank you.
Dieu merci. Une sortie. Bon, je dois pouvoir escalader. Ah ! Trop facile. Oh ! Ils sont pas loin. Trouvez-les! Il faut prévenir Sully. Merci pour le cadeau, les gars. Oh oh. Je l'ai pas vu venir. Et par ici. Ouais.
d'après toi? Ils ont dû nous suivre. Je vois que ça. La tour est juste là. Il faut qu'on rentre. Ok. Par ici. Allez, Sully, aide-moi à ouvrir. Ok. Bon, par où on va? Je suis pas sûr. Faudrait essayer de descendre. Hé. Hey. Matza. C'est quoi ce délire? C'est un homme de Talbot. C'était. Mais c'est impossible, ils viennent d'arriver. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'en sais rien du tout, mais j'aime foutrement pas ça. Hé, hey, regarde les dalles. C'est du sabéen. Je vais rester ici pour pas risquer de marcher sur un truc. Bonne idée. Laurence mentionne ça dans ses notes? Je vais voir. On voit rien ici. Tu nous éclaires? Ok. Hmm. On dirait un genre de laboratoire, non? Ouais, ce truc doit avoir au moins 400 ans. Hé, hey, plus de lumière, Sully. Bien joué. Laboratoire d'alchimiste. Attends un peu. Ce lieu te rappelle pas quelque chose? Ouais, la planque sordide de Marlowe, maintenant que tu le dis. Sully. Sully, c'est le labo de John Dee. Aussi loin que ça? En France? Il a dû remonter jusqu'aux croisades, grâce aux indices, comme Laurence. Hé, hey, regarde. C'est encore du sabéen. C'est quoi ces symboles? On dirait qu'il cherchait une solution. Il y a une sorte de message écrit ici, en énochien. Tu pourrais le décoder? Je vais voir.
L'hôtel garde l'entrée des enfers. Eh bien, il conjurait les esprits grâce à la magie. Ouais, à moins que l'hôtel cache un passage secret. Ah. Bien. Aide-moi à pousser. Ce vieux fou est très malin. Merci bien. Pas toi, John Dee. Oh. Bah, t'es malin aussi. Et vieux. Oh, et voilà. Éclaire-moi. Ouais. Ah, c'est bien mieux. Tu sais, un jour, il va falloir que tu penses à prendre tes propres allumettes. De quoi tu parles ? Wow. Il voulait empêcher un truc de rentrer. Ou de sortir. Hé, hey, viens m'aider. Je l'ai. Et voilà. Faut espérer. S'il avait des infos sur l'Atlantis des Sables, il est mort avec. On va essayer de trouver la tombe. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Un jeu médiéval ? Plutôt élaboré. Ouais. Qu'il essayait de résoudre l'énigme sans y arriver. Tu trouves ? On dirait qu'il est dans aucune de ses cryptes. Non. Sa tombe doit être cachée. Cherche encore. Attention. Le seul et l'unique. Ça y est. Tu peux me tenir ça ? Ouais. Regarde. C'est une sorte d'amulette. Il y a un truc décrit. Tu vas faire ça sur la tête de Lancelot, hein ? C'est un texte sabéen. Alors ça doit provenir de l'ancien Yémen, non ? Ouais. Pile là où Francis Drake sera arrivé au XVIe siècle. Ce serait le nom d'une cité ? Ouais. Il y a 3000 ans de ça. Sans le reste des inscriptions, on sait toujours pas où chercher. Espérons que l'autre moitié est en Syrie. Ouais, et que Cutter et Chloé la trouveront.